Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, les gars, comme vous le voyez là, c'est écrit étudier en Azerbaïdjan. Donc, pour ceux vraiment qui veulent étudier en Azerbaïdjan, vous devez savoir qu'il y a une bourse qui est disponible. Voilà, et cette bourse-là, ça prend en compte la licence, le master et le doctorat. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà essayer de suivre cette vidéo-là. Et vous allez postuler comme il se doit. Moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule pour que vous sachiez un peu comment ça se passe. Voilà, donc ici, par exemple, comme ça, si pour postuler à cette bourse-là, je vais expliquer un peu rapidement. Et comme vous le voyez là, ça, ce sont les universités en Azerbaïdjan. Donc, dans les normes, pour postuler à ces universités-là, vous allez sur ici, comment s'inscrire. Et vous allez suivre la candidature via le site internet. Donc, si je clique là, vous allez voir comme ça, voilà, que ici, c'est écrit par exemple que c'est une plateforme en ligne située sur ce qui est là. Donc, dans les noms, on va cliquer sur ce qui est là pour pouvoir chercher à s'enregistrer. Et organisant l'admission des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement secondaire spécial et supérieur. Donc, voilà, donc toute personne souhaitant étudier en Azerbaïdjan peut s'inscrire via SIACAS, choisir l'institution. Donc ça veut dire que vous vous inscrivez là et c'est là que vous allez choisir votre spécialité, votre université, voilà, pour pouvoir postuler gratuitement. Donc la candidature soumise est redirigée vers l'institution concernée et en ce moment là ils vont vous contacter pour pouvoir pour que vous puissiez suivre votre procédure, c'est à dire l'université va vous contacter, voilà. Mais étant donné que nous sommes là pour la bourse, donc si je viens dans aide financière, comme ça on va voir ici aide financière, s'il y a une possibilité d'aide financière, comme ça je pourrais vous expliquer en ce qui concerne la bourse. Ici par exemple comme ça, il n'y a pas d'aide financière normalement, mais la bourse qui est disponible actuellement, je vous explique un peu rapidement pour que vous puissiez au moins y postuler. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, si vous êtes dans un pays, quel que soit le pays où vous êtes, vous vous rendez comme ça à l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan dans votre pays. Voilà, donc si vous vous rendez à l'ambassade de l'Azerbaïdjan dans votre pays, ou bien au ministère des Affaires intérieures, ou bien au ministère des Affaires extérieures de votre pays, voilà. Donc vous allez là-bas, vous leur dites que vous voulez par exemple comme ça postuler à la bourse de l'Azerbaïdjan. Donc de là-bas, vous déposez votre dossier. Et la date limite pour déposer les dossiers, c'est jusqu'au 20 mai. Vous allez déposer votre dossier là-bas dans votre pays. Et une fois que vous êtes sélectionné dans votre pays, vous comprenez, j'espère que vous comprenez ce que j'ai dit, ça c'est la première étape. La première étape, c'est de se trouver dans votre pays. Donc une fois que vous êtes sélectionné dans votre pays, vous allez recevoir un document qui va vous permettre de continuer la seconde étape ici sur le site. Vous voyez? Et la seconde étape ici sur le site, c'est quoi? Vous venez là, vous cliquez sur candidature électronique et vous arrivez là. Vous comprenez? Et pour pouvoir postuler, il n'y a pas assez de documents, par exemple, comme ça, dans votre pays. Même si vous allez y aller, ils vont vous donner les conditions. Moi, je vais vous donner les conditions ici aussi. Donc, le passeport, les relevés de notes, normalement. Voilà, votre CV, votre des photos numériques. Voilà, et aussi, vous essayez, pour ceux qui ont fait le master, de trouver au moins deux recommandations. Voilà. Et ceux qui ont fait le doctorat aussi, c'est un peu identique comme pour le master. Mais ce que moi je vous conseille, c'est de vous rendre là-bas directement dans votre pays, de vous rendre au ministère des Affaires étrangères ou bien à l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan dans votre pays. Et arrivé là-bas, vous allez voir soit c'est déjà énuméré là-bas, soit c'est déjà annoncé, l'appel à candidature est déjà à l'ambassade là-bas. Vous allez pouvoir déposer votre dossier à l'ambassade. Ils vont faire leur choix là-bas. Ils vont vous donner un document que vous allez prendre et essayer de continuer sur le portail qui est là, qui est quoi, portail edu AZ. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule ici. C'est-à-dire lorsque vous allez finir dans votre pays, ce que vous allez faire ici.
Maintenant, ceux qui sont intéressés pour qu'on puisse le suivre, vous pouvez déjà nous contacter inbox. Il y a le numéro qui est en description. Vous nous écrivez dans, via WhatsApp. On va vous montrer toute la procédure pour pouvoir mieux vous suivre, pour ne rien sauter, pour ne rien rater et pour ne pas, pour ne rien oublier. On va vous suivre du début jusqu'à la fin. Voilà donc. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, si vous n'avez pas bien compris aussi, vous pouvez laisser un commentaire. Je vais comme ça essayer de vous expliquer via des vidéos, voilà, où vous pouvez me voir en train de parler. Donc, si vous ne comprenez pas, laissez un commentaire, je vais mieux vous expliquer. Ok. Une fois que vous avez reçu là-bas une accréditation et que vous avez été nominé à l'ambassade là-bas dans votre pays, directement, vous utilisez le document qu'on vous donne là-bas à l'ambassade ou bien au ministère des Affaires étrangères et vous venez ici sur Portail Edu ou Gila et vous allez sur les plateformes pour pouvoir essayer de remplir et choisir l'université qui vous convient. Voilà, donc parce que en fonction de votre programme que vous voulez faire, vous allez choisir votre université en fonction des filières, en fonction des éléments, vous allez trouver votre université qui concerne les filières, ces filières-là. Mais ce que l'information et aussi le conseil que je vous donne, dans un premier temps, avant de prendre, si vous faites les mathématiques, allez voir par exemple comme ça sur Google. Quelle est la filière ou bien quelle est l'université qui fait les maths. Comme ça, vous allez retrouver rapidement cette université-là ici en ligne. Voilà, c'est assez important aussi pour ne pas oublier. Ok, donc ici, par exemple, comme ça, je vais essayer de changer et de mettre en anglais ou bien en français. Voilà, il y a anglais. Donc, je mets en anglais. Et comme vous voyez là, ici, ça, c'est pour ceux qui viennent juste de débuter. Et... là, c'est pour les nouveaux. Si vous êtes nouveau, vous cliquez sur register. Donc, vous allez vous enregistrer d'abord avant de pouvoir postuler et mettre votre dossier. Je le répète encore, n'oubliez pas, c'est très important. C'est hyper, hyper important. Les documents que vous allez mettre en ligne doivent être soit en anglais ou bien en russe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui seront retenus, par exemple, pour la licence, et qui n'ont pas de certificat en anglais, vous allez d'abord faire une année de langue russe avant de pouvoir continuer. Maintenant, ceux qui ont déjà les certificats en anglais, il n'y a pas de problème. Vous allez continuer directement pour faire votre cursus de licence ou bien de master. Mais ça va dépendre aussi des filières que vous allez choisir ici. Si la filière est en russe, vous allez faire en russe. Si la filière est en anglais, alors vous devez avoir un certificat pour venir étudier en anglais sans problème aussi. Ok, donc ici, je vais choisir le pays. Ici, je vais choisir mon pays. Voilà. Donc, migration, documents, réfugiés, non, diplomatique, issu de l'Azerbaïdjan, non, passeport, un document pour les voyages internationaux. Ok, donc moi je prends ça. Ok, donc quand je prends ça, je viens là, je mets la série de mon passeport. Donc je mets 22 AI 23 45. Ok, donc mon nom, je prends je vais prendre mon prénom, je vais prendre, ok, et mon nom, je vais prendre Aouvin. Donc le prénom de mon père, je vais mettre lui. Et puis, ici, ma date de naissance, je vais, comme je considère que je n'ai pas fait la licence, voilà, je considère que je n'ai pas fait la licence, donc je vais considérer que je suis né en 2000, en 2006, ou bien en 2005, voilà, je vais prendre 2005, c'est mieux. Donc, le 4 avril 2005, je considère que je suis né en 2005. Ok, 2005, je crois que j'ai 19 ans, si je ne me trompe pas. Ok, donc je suis né le 11 avril 2005. Ok, donc je peux faire la licence ou le master sans problème. N'oubliez pas, je le répète, les documents doivent être traduits en anglais ou bien en langue russe. Et ceux qui cherchent des traductions en anglais ou en anglais ou bien en langue russe, vous pouvez déjà nous faire signe aussi via notre numéro qui se trouve juste en dessous. Ok, donc une fois que c'est fini, je fais quoi? Je fais continue. S'il y a un souci, ils vont nous dire, on va reprendre. C'est pas un problème. Donc ici, voici les pays qui sont éligibles. Vous voyez, si votre pays s'y trouve, alors vous pouvez déjà continuer.
Donc, moi, je vais voir si mon pays s'y trouve. Si mon pays n'est pas ici, je vais prendre un autre pays pour pouvoir. Voilà, la Côte d'Ivoire est là. Et le numéro de téléphone que je vais mettre pour la Côte d'Ivoire, je vais mettre ce numéro-là. 44 59 18 40. Ok. Et ici, vous voyez qu'on dit, si, if you have problem receiving SMS with your mobile numbers, you can verify your account email. Ok. Ici, par exemple, comme ça, vous allez recevoir un code qui va vous permettre de continuer. Dans le cas contraire, vous allez voir que si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre aussi le mail. Donc, moi, comme ça, c'est un faux numéro, je vais prendre le mail. Voilà, pour pouvoir mettre un email. Pour ne pas vraiment continuer avec ça. Donc, ici, je vais recevoir aussi un mail. Voilà. Donc, je fais continuer. Là. Je continue ici. Ok, je vais mettre mon adresse mail. Non, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre l'adresse mail que je prends pour les bourses. Il fait pour les bourses. Voilà. Ok, je vais prendre l'adresse mail qui est là. Après ça, je vais envoyer le code. Ok, à mon adresse mail. Donc, j'ai reçu un code et j'ai 596 secondes pour pouvoir mettre le code que j'ai reçu. Passer le temps pour mettre ce code-là. Donc, on va vérifier rapidement pour ne pas que le temps passe. Si vous avez bien vu, ils nous ont donné un temps là-bas. Ok, donc, comme vous le voyez, le mail vient d'arriver. Et là, il y a un code qui se trouve là. Donc, voici mon code qui est là. Donc, je copie ce code-là. Voilà. Et je viens dans. Je viens continuer ici en mettant mon code qui se trouve ici. Et je rappelle que le code n'est pas venu automatiquement. J'ai attendu au moins quelques secondes. Donc, le code est là. Maintenant, je vais mettre le code là. Voilà. Pour pouvoir déjà essayer de continuer. Donc, je continue rapidement sans problème. Ok, donc ici on me demande de mettre mon mot de passe. Donc je vais mettre rapidement ce mot de passe là. Donc ici je vais prendre par exemple comme ça. Ici. Ok, donc ça c'est mon mot de passe. Ok, donc vérifions si ça concorde. Vous voyez que il y a l'espace qui est en vert, ça veut dire que c'est un bon mot de passe. Donc on va voir si c'est compatible avec ce que j'ai mis en dessous. Voilà, donc comme vous le voyez là, on me dit que je me suis enregistré avec succès. Donc maintenant, une fois que j'ai fini de m'enregistrer avec succès, je vais aller vérifier dans mon mail si j'ai reçu un message. Donc je viens là rapidement. Voilà. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, le premier message pour pouvoir recevoir le code, ça peut prendre quelques temps. Ça peut prendre peut-être 15 secondes ou bien 20 secondes avant de recevoir ce message-là. Donc, et quand vous recevez ce message, vous prenez le code qui se trouve là. Ok, donc ici, moi, je reviens sur la plateforme et je viens là pour faire quoi? Pour continuer mon enregistrement. Donc, je mets ici, je clique là pour pouvoir continuer mon enregistrement. Et là, vous voyez là, j'ai mon compte personnel. Voilà, ça c'est mon compte personnel. Et comme vous le voyez là, s'il y a la compétition et Olympiade, c'est toujours ici. S'il y a des éléments, des bourses, c'est là. Si vous n'avez pas de bourse et que vous voulez postuler vous-même dans une université, vous pouvez aussi cliquer là et continuer à trouver votre université. Ok, donc ce que l'on va faire est très simple. Ici, vous pouvez mettre déjà votre photo et tout ça. Maintenant, nous on va venir dans la compétition ici pour voir si la compétition que nous voulons postuler se trouve ici. Si ça se trouve ici, directement on pourra l'utiliser pour pouvoir travailler. Dans le cas contraire, on va postuler normalement, on choisit une université et puis voilà, on fait comme d'habitude. Ok, donc je mets déjà en anglais. Si ça vient en langue azerbaïdjan, je vais toujours changer. Je vais changer ici pour mettre en anglais. Ok, donc ici, le premier élément, ça c'est si vraiment on veut étudier nous-mêmes dans une université. Voilà, et tout, tout. Donc, comme je vous ai dit, pour notre cas, comme la bourse d'abord, ça se passe dans votre pays. Voilà, une fois que vous avez
l'autorisation de choisir votre université pour le second tour, vous pouvez déjà venir ici et vous allez essayer de choisir votre université. N'oubliez pas, la date limite pour choisir, pour pouvoir faire le premier tour, c'est le 20 mai. Et lorsque vous finissez d'avoir votre statut le 20 mai là-bas dans votre pays, à partir de juin, juillet, vous avez un mois à trouver votre université, c'est-à-dire à cliquer sur ce lien-là pour pouvoir essayer de remplir tous les éléments et aussi essayer de postuler à votre bourse ici, c'est-à-dire trouver votre université et essayer de soumettre vos documents ici. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Donc à partir de juin, juillet, c'est il y a un mois. C'est-à-dire, vous finissez le 20 mai, date limite c'est fini, vous recevez une réponse de l'ambassade et vous prenez cette réponse-là, vous venez ici en juin pour pouvoir continuer ici et ça se termine en juillet. Voilà, donc je vais mettre en anglais ici. Voilà, je mets en anglais. Et si ce sont les deadlines pour ceux qui veulent postuler, ça c'est vos deadlines. Donc si vous voulez postuler, regardez très bien, c'est en leur langue. Voilà, donc je vais pas vraiment vous fatiguer avec ça. Donc si par exemple je vais appliquer, je viens là sur apply, ok, application dans une université ou bien une université supérieure ou bien secondaire pour 2023-2024. Ici, dans cette section, vous pouvez appliquer, trouver votre université où vous êtes admis. Si vous faites face à un problème technique, voilà. Donc, à partir de juin, lorsque vous allez arriver ici, vous allez voir que ça ne sera plus 2023-2024, mais ça sera 2024-2025. Vous voyez, et en ce moment-là, vous allez faire la même chose comme moi. Vous venez vous cliquer sur New Application, ici. Que sur New Application, vous choisissez votre application qui va se trouver ici. Voilà, soit si par exemple vous avez reçu une bourse, vous allez prendre la bourse va s'afficher ici. Maintenant, si vous n'avez pas reçu de bourse et que vous-même vous voulez postuler, alors vous prenez self-funding ici et vous continuez. Ici, on dit self-funding institution international transport insurance covered by her or by himself. Donc, ça veut dire que si vous avez choisi self-funding, cela signifie que vous-même vous allez gérer toute la procédure jusqu'à la fin et arriver là-bas, vous allez payer vos études. Voilà. Maintenant, à partir de juin, la bourse dont on a parlé va se retrouver ici et vous allez choisir cette bourse-là pour dire que vous avez été sélectionné là-bas dans votre pays, en ce qui concerne la bourse de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Voilà, pour ne pas qu'après vous vous trompiez, pour ne pas qu'après vous perdez. Donc, une fois que c'est fini, je viens, je clique là, voilà, je mets mes coordonnées, tout, je finis de mettre les coordonnées, je viens, je clique aussi sur l'élément qui est là. Quand je vais cliquer sur, par exemple comme ça, à la fin, je vais cliquer sur Next, ici. Ici, je n'ai pas mis, je n'ai pas rempli, donc je ne peux pas avancer. Si je finis, je mets Next et ça va me renvoyer sur Admission Information. Vous comprenez? Voilà, et en ce moment-là, vous allez insérer vos documents, vous allez mettre tous les éléments vous concernant. Et une fois que vous finissez, voilà, c'est tranquille et c'est tout. Voilà, donc n'oubliez pas aussi, ceux qui veulent vraiment qu'on suive les dossiers, n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter inbox, on va suivre vos dossiers jusqu'à la fin. Voilà, maintenant, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me laisser un commentaire, je vais vous expliquer. Ok, donc c'était moi, Samuel Hospital, et surtout, prenez soin de vous, les gars.